Chef, chef, vous m'entendez? Ah, enfin, ça va? Vous pouvez bouger? Et nous venons d'atterrir en urgence et malheureusement... On n'a rien pu faire. Personne n'a réussi à résister, ils sont tous morts. En même temps, vu la violence du truc... Ouais, et il s'est écrasé comme attention, ça. Plusieurs vaisseaux des Covenants s'en approchent. Oh, par contre, on va se casser. Je vous conseille de rejoindre ces collines. Avec un peu de chance, les Covenants croiront que l'équipage de cette nacelle a péri dans le crash. Oh, c'est comme MO. Les Covenants s'en approchent. Ils doivent rechercher les survivants. Je vous conseille de partir immédiatement. J'aimerais bien partir immédiatement, mais... Ils sont en train de fouiller la zone. Oh, par contre, regardez-moi ces arbres. Ils sont un peu bizarres. Ah putain, ils ont mis des petits vaisseaux volants. Oh, il y en a un juste là. Bon, on va rester planqué là le temps qu'ils s'en aillent. C'est pas grave, on va continuer, on va faire comme s'ils ne nous avaient pas vus. Je me suis coincé avec les arbres. Hop là, eux c'est fait, on va continuer. On va avancer, voir ce que ça donne. Je reçois le signal d'une nacelle de survie de l'autre côté de la colline. On devrait aller voir s'il y a des survivants. Allez, c'est parti pour poutrer du Covenant. Adjudant, Dieu merci, je nous croyais perdus. C'est le chantier, chef. On est dispersés dans toute cette vallée. On a appelé un vaisseau d'évacuation, mais avant notre arrivée, j'ai cru qu'on était cuits. Ne vous inquiétez pas, sergent, on va attendre l'arrivée du vaisseau. Regardez, un vaisseau des Covenants là-bas. Allez, on va protéger cette petite place, on va se faire attaquer de toutes parts. On va essayer de monter histoire de se protéger un minimum. On va essayer d'en faire un maximum au flingue. Oh, joli ça. Le bouclier a pris cher. En effet, ça risque d'être compliqué. On va sortir le pétoir, ils vont sûrement passer par là. La petite notification de jeu. Je retrouverai cette ordure. On se retire.
Où est-ce qu'il est? Normalement, ils peuvent monter que par ici. Et ils sont bien chiants avec leur protection. Où est-ce qu'il atterrit lui? Toi, je t'ai vu. Toi, je sais que tu es là. Ici équipe Charlie, on vous reçoit. C'est vous, Fohammer? Bien reçu, équipe Charlie. Contente de vous entendre. Fohammer, on a besoin de vous pour rejoindre la navette de commandement. J'arrive. Regardez, d'autres nacelles de survie. Ils arrivent vite. Si ces nacelles atterrissent, les Covenants vont leur tomber dessus. Fohammer, on a besoin de votre Warthog. L'adjudant et moi allons essayer de porter secours à quelques soldats. Bien reçu. Oh, ça c'est classe leur vaisseau, les pélicans. Okay, oh, je les kiffe ces vaisseaux. Allez. Merci, Fohammer. Alors voyons voir la maniabilité de ces pélicans là. Affirmatif. Echo 419, je reste en position. Fohammer terminé. Pourquoi j'y arrive pas avec le pélican? Ce serait plus marrant. La maniabilité ne change pas. Enfin, eux, ils glissent moins que sur Reach. Franchement, ils glissaient à mort. Tu tournais un peu, ça braquait direct. Cette grotte n'est pas une création naturelle. Elle doit donc mener quelque part. J'ai piraté le réseau radio des Covenants. Ils sont en train de diffuser des données tactiques sur les canaux codés. Ils vont voir à qui ils ont affaire. Adjudant, je vais utiliser le système Transcom de votre combinaison pour les écouter. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis vraiment partagé entre peur et impatience.
Tous les préparatifs sont terminés pour mon installation. Conformément aux dernières instructions du Conseil Écumène, j'ai coupé tout lien qui aurait pu subsister avec ma fonction précédente. Ce ne fut pas difficile. Ce qui a été ne pourra jamais être à nouveau. Nous nous en sommes assurés. Avant mon dernier passage à travers le grand portail, une réunion de mes pères Monitor a été organisée dans la crèche des Lightworkers afin de partager le dernier index. Il était singulier qu'un vaisseau affecté aux Renaissances accueille un tel événement. Même si ces bâtiments sont les seuls encore autorisés à se déplacer dans le sous-espace. Les Lifeworkers avaient pour tâche de nous mener à nos postes dans les structures actives du secteur. Toutefois, bien que tout se déroulait conformément au plan, nous fîmes face à un grave problème. Nous n'avions plus aucun contact avec le domaine. L'histoire des Forerunners était perdue à jamais. Nous avions cru que le domaine serait éternel, qu'il conserverait une trace des événements qui nous avaient menés là, mais sans cette mémoire, les civilisations futures ne connaîtraient-elles qu'une seule chose de nous, notre armement? 049 Abject Testament, un père Monitor, ne fit qu'un commentaire avant notre séparation. Nous mériterons d'être oubliés. Qui sait? Peut-être. Mais maintenant, le portail s'ouvre. J'entrevois cette forme connue qui m'attend. Allons. Chez moi. Donc apparemment, il y a des petits terminaux comme ça cachés qui permettent d'en savoir plus sur l'histoire de Halo. Bon, maintenant c'est pas le tout, mais il va falloir ressortir de là. Tu permets que je t'appelle Bob? Ouais, je vais t'appeler Bob. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon Bob, va falloir que tu fasses un massacre. Ouais, ça je le sens pas par contre. On va essayer de tous les buter pour l'instant. Où dois-je aller maintenant? Parce que moi, là, j'allais me taper un peu le saut de l'ange avec Bob. Heureusement que j'ai freiné avant. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de cette passerelle-là? Ah ouais, c'est le vide. Total. Il doit bien y avoir un système pour franchir ce gouffre. Il faut trouver le panneau de contrôle ou l'interrupteur. C'est ce que je cherche, Cortana. Si tu pouvais m'aiguiller un peu, s'il te plaît. Parce que là, je ne vois pas trop où est ce foutu panneau. À part là-dedans. Là-bas, j'ai le Warthog. Non. Ah, qu'est-ce que j'aime pas chercher comme ça? Je suis sûr que vous allez me dire, mais si, là, tu vois pas, ça te l'indique. On va reprendre le Warthog, on va s'avancer un peu.
Non, ça c'est des lumières. Oups. Ah bah je pouvais encore chercher. Donc là je suis sur le côté droit et je viens de voir qu'il y avait un petit passage là. On va monter en haut voir ce que ça donne. J'avais deux saloperies de Covenant qui m'attendaient à l'intérieur et on arrive au niveau du panneau. Et bah faut le vouloir. Allez, traversons ça. Quand même bien foutu. Il n'y a pas l'air d'avoir de Covenant de ce côté-là. Donc on va continuer. Il y a du nouveau sur le réseau des Covenants. Les survivants du Pillar of Autumn sont plus nombreux que je ne le pensais. Le capitaine leur a donné du fil à retordre. Si on retrouve le capitaine Keyes et les autres survivants, on pourra établir une résistance efficace. Ils ont peut-être trouvé refuge dans cette structure. Allons voir. On va essayer d'en éliminer le plus possible en leur roulant dessus. Oh là! D'évacuation. Bien reçu. Rassemblez-vous tous pour l'évacuation et que ça saute. Donc ils vont évacuer. Moi, je vais aller voir là-dedans. Ah, j'ai cru que j'allais descendre tout seul. Il faut sécuriser. Oh, par contre, c'est traite. D'accord, ça doit relier un côté à l'autre. Waouh, ils sont violents. Par là, hop là. Hop. Survivants repérés. Des Marines sont cachés dans ces rochers. On va se mettre ici. Allez, allez, je viens vous sauver les cocos. Allez. On va contourner par là. On va essayer de les éviter pour rejoindre mes coéquipiers. Bingo, ils sont là. La cavalerie est arrivée.
Allez, on se fait un gros petit saut. Par contre, lui, je suis en plein dans son viseur. On va descendre par là et on va essayer de les en empêcher de... On va les empêcher de passer. Surprise! Ils sont tous morts. Mort. On n'en a sauvé aucun. En même temps, il reste à découvert, les petits cons. Il passe par où? Mais est-ce que l'on aurait vraiment pu les sauver? Ou est-ce que c'est prévu comme ça qu'ils doivent mourir? Waouh! Je vais avoir du mal à retourner à mon Warthog, moi. Ah, et mon U. On va retourner à mon Warthog, histoire de se barrer fissa fissa de la zone avant qu'ils arrivent tous. On va mourir. Allez, on se barre de la zone, putain. Je vais rager. Cortana, Echo 419, évacuation annulée, Foammer. Il n'y a aucun survivant. On vous rappellera dès qu'on aura besoin de vous. Oh, il est d'une violence. Les Marines se cachent dans les collines au-dessus de la structure.
Ah, ils sont au-dessus. D'accord. Il y a du sur le réseau Covenant. J'ai trouvé le capitaine Keyes. Il est détenu à bord du Truth and Reconciliation, un croiseur Covenant que j'ai mis hors service avant de quitter le Pillar of Autumn. Le Truth and Reconciliation a atterri sur un plateau désertique à environ 300 km. Ils sont là, mes copains. Voilà notre vaisseau. Montons à bord et allons-nous-en d'ici. Bienvenue à bord, adjudant. Paré au décollage. Et là, par contre, tu mets un point pour retrouver. Ah, je te jure. En avant. Ah, nickel. Il faut y aller, lieutenant. On va avoir besoin de vous pour une